Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, grosse mise à jour sur Dream Team. Toi-même, tu sais, explosion du potentiel. C'est la fête au village, apparemment. Il y a des multis gratuites avec full SSR pour exploser des cartes, quoi. Voilà, on a déjà vu, j'ai déjà vu des screens sur Twitter. Sur Twitter pour voir un peu comment ça se passait. Attends que je fasse pas n'importe quoi. Hop, voilà. Donc voilà, donc là maintenant ça a été prolongé. Bon, moi je m'en fous, je dormais, donc ça m'a pas dérangé. Ils vont nous offrir 5 Dream Ball. D'accord. Ok. Ah, c'est toujours ça de prix, hein, y a pas de problème. Regardez les news rapidement, les gars. C'est un peu. Aujourd'hui, c'est un peu nawak. Hein. Je vous le dis direct, c'est nawak. Alors là, ils ont ressorti le portail anniversaire. Avec Tsubasa, avec le maillot du Japon et tout et tout. Pas compris, mais bon, pourquoi pas, hein? Bon, tout ça, on a vu. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, il y a encore deuxième série avec Takashi Sawada et Yuga. World Challenge défie les meilleurs joueurs du monde et obtient des nombreux Tamatsu ID. Donc, celui avec qui on va pouvoir exploser des potentiels. Enfin, je crois, si je dis pas de bêtises, hein. Il y a deux façons d'exploser le potentiel. Soit avoir la même carte du joueur, donc des doublons, triplons, quadruplons, cinquuplons, je ne sais pas si ça se dit. Ou soit avoir ces médailles-là, les médailles ID. Voilà. Enfin, si j'ai bien compris, hein. Si j'ai bien compris. De toute façon, moi, je comprends toujours à moitié ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, il n'y a rien. Ah, détail ici. On va voir ce que c'est. En tout cas, World Challenge, ça me fait penser à Street Fighter. Je sais pas vous, mais. Mais c'est du multi? C'est du multi ou du PvE? Ah, d'accord. Selon la règle auto, sans prolongation et tir au but. Ok. Donc c'est de l'auto. D'accord. Ok, pour initialiser, c'est. D'accord. Ah ouais, donc il faut utiliser des Dream Balls. Ok, bon, de toute façon, on va. Hop. Bon, voilà, ça va être full cadeau. Donc, on a une médaille ID. Voilà. Donc, la célébration de l'implantation, de l'explosion du potentiel. Jusqu'au 2 octobre. Voilà. Avec Sanae. Ok. Mais du coup. Ouh, 50 Dream Balls. Comme ça, dans le plus grand des calmes. Bah, écoute, on prend. Merci. Merci, merci. On va avoir 20 Dream Pot ici. Ok, je voulais pas faire ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On prend, hein, on prend. Hop. Donc, c'était une mise à jour qui a été teasée, genre, je crois que c'était au mois de juin. Donc, il y a très longtemps. Ok, 10 Dream Ball. 5 Dream Ball. 5 Dream Ball. 5 Dream Ball. Et 10 Dream Ball. Ok, donc ça, en tout ça nous fait. Alors attends, on en a combien là? 60, 65, 70, 70, 75, 85. Donc on va très certainement dépasser les 100. 112, c'est bien. C'est bien, 85, putain, 85 Dream Ball d'un coup, ça fait plaisir. Merci Club. Merci. Alors. Je sais, en fait, je sais même pas par où commencer en fait. Je sais pas, parce que je sais qu'il y a mon stade, je sais pas quoi. D'accord. Bon, on va accepter. Voilà, 114. Yatane, gagner une fois la ligue, ok. Oui, parce que la ligue, ils ont changé aussi. Ils ont changé un peu le truc. Donc, explosion du potentiel de niveau 1 avec un joueur. D'accord. Donc j'aurais. Ah j'aurais 5. Ah maintenant il donne 50. Ah j'aurais 50 Dream Ball quand j'aurai 1000 jours de connexion. Donc dans 32 jours. Donc dans environ un mois. Environ un mois. 25 Dream Ball si vous faites tous les trucs. D'accord. Ok, il n'y a pas de. Il n'y a que des matchs ligue, mais il n'y a pas de PVP. Ok. Ok. Ah si, il y en a un. Bon, ça va, en soi, ça passe. Ouais, c'est que la ligue et. Ok.
Ok, d'accord. Eh ben écoutez, on va voir un petit peu. On va voir un petit... Ah, c'est trois tickets ligue maintenant. Ouais, ligue. Ah d'accord, je viens de le constater. Explosion du potentiel. Il est ici. Alors c'est pas autre chose, non. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu peux continuer à monter tes façons limite. Commencer par Ok. Alors. Donc, on l'a vu dans les différents sur Twitter, l'un des intérêts aussi de l'explosion du potentiel, c'est que on va débloquer d'autres slots pour mettre des spé. Donc là, avant, t'es bloqué à 5. Et là, je crois qu'on va être à 7. Donc tous ceux qui ont des scellements TS, bye bye. J'ai envie de te dire bye bye en fait. Voilà. Donc comme il explique, débloquer des emplacements de technique spéciale et augmenter le dépassement de limite capacité maximum à 200 max. Donc avant t'es à 100. Maintenant on passe à 200. Voilà. Oh non, c'est bon. J'ai compris. Je suis pas un mongol. Donc en fait c'est bien parce que ça va permettre de revivre, enfin de refaire vivre des joueurs. Donc là apparemment, si j'ai bien compris, ah bah non, bah non, bah de toute façon je l'ai pas en doublon, Michael. Je l'ai pas en doublon. Juste faire un petit test comme ça. Je crois que par exemple, lui, je l'ai en doublon. Par exemple, le Santana, je crois que je l'ai en doublon. Bon, l'autre, il a ressorti sa tondeuse. Je pense pas que vous allez entendre. Alors, on va cliquer là. Alors, comment on fait? Donc, voilà. Donc, là, j'ai le même joueur. Voilà, je peux enlever le cadenas et tout, et je peux le faire exploser. Ce que je peux faire, franchement, bah écoute, on va le faire en direct. Ah, voilà, d'accord. D'accord, donc une médaille ID, tu peux le faire. Si t'as pas le joueur, tu peux le faire. Donc ces médailles-là vont être extrêmement importantes si vous n'avez pas de doublon ou quoi. Ou si vous voulez faire évoluer un Dreamfest ou une carte très très forte. Je pense que cette carte-là va être. Enfin, ces médailles-là vont être extrêmement importantes. Voilà. C'est une façon, on va dire. Je pense que c'est pas trop mal. C'est l'une des façons les plus. Les plus, comment dire, c'est les façons les c'est une façon la plus comment vous expliquer ça? Je trouve que c'est pas trop mal, c'est pas trop mal comme système de doublon. C'est pas l'idéal de ouf, mais ça va. Bah écoutez, on va exploser Michael, vu que c'est le joueur le plus fort du jeu à l'heure actuelle, hein, si je pense qu'on n'est pas trop loin de la vérité. Voilà. Même si, bon, je vais débloquer un emplacement, mais Michael, il n'a pas d'autres spé. Voilà, il n'a pas d'autres spé. Non, en fait, je vais. Non, la médaille ID, je vais la mettre de côté. Je vais attendre le bon moment pour l'utiliser. Voilà. Alors, attendez, j'essaie de. Désolé, hein, cette vidéo n'aura aucun sens. Ah, par exemple, je crois que j'ai le pierre rouge. J'ai le pierre rouge, je crois. J'essaie de voir qui c'est que j'ai en doublon. Par contre, ça aurait été bien de changer la musique. Par contre, ce qui est bien dans mon stade, il y a un mode qui s'appelle mon stade. Quand on fait des matchs amicaux avec des amis en ligne, vous allez pouvoir choisir votre stade et votre musique. Ça aurait été bien de choisir le ballon. Donc j'espère que Club va. Je vais essayer d'en parler en privé à Dora, si elle peut peut-être en faire partie, enfin en parler à l'équipe. Donc voilà. Attends, qui c'est que j'ai en doublon? Je crois que j'ai. On a parlé du pierre tout à l'heure, mais on va faire le pierre. Il est où le pierre?
On va faire le premier cobaye, Pierre. Voilà, il est là, hop. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc ça va débloquer un emplacement. Donc pour débloquer les deux emplacements, il en faudra deux ou une pièce idée. Voilà. Alors. D'accord, elle sera renforcée. D'accord, je savais pas. En tout cas, j'aime bien l'animation. Ok. Voilà comment on fait. Si vous savez pas comment on fait, voilà. Donc maintenant, j'ai un emplacement libre pour mettre autre chose. Là, j'ai un tir, une 2, un tac, une percée, voilà. Et sinon, je peux mettre une passe maintenant. Je peux mettre, par exemple, là, maintenant, je peux mettre une passe, une spé de passe, par exemple. Voilà. Ok. Bon, écoutez, on va aller voir du côté du recrutement. Apparemment, on a des multi offertes aujourd'hui. Ah bah tiens, on a fait des missions. Je crois que j'ai récupéré peut-être une ou deux Dreamboat, je crois, un truc comme ça. Voilà, on a récupéré deux. Hop, hop. New. Ok, donc 50 Dreamball payés pour faire le. Voilà, on a un joueur garanti. C'est la moindre des choses. Donc le Pierre, il est là. Retour du Pierre, retour du Napo Cash. Retour du Roberto. Ah, d'accord, donc là ils ont remis le. D'accord, le Roberto Cash. Attends, je regarde. 1 dB, 3 dB, 3 dB, 8 dB et garantie 15 dB. Et après ah ouais, d'accord. Alors par contre, comment on récupère le ticket? Je comprends pas en fait. Attends, on va faire ça comme ça sera débarrassé. J'ai déjà eu le Matsuyama avec la manche déchirée là. Je l'avais pas, donc très bien. Je crois que c'est le Matsuyama. Le Matsuyama, comment dire? Le Matsuyama. Voilà, et bah tiens, il est là. Voilà. Le Matsuyama Saint-Valentin. Par contre, comment on récupère les. Je comprends pas en fait. Attends. Attends, comment on fait? Attends, peut-être dans le scénario, peut-être qu'il faut faire un truc. Peut-être faire un truc. Oh non, événement. Peut-être qu'il faut faire un match ou un truc comme ça, je vais voir. Alors. Ah, c'est des médailles. Voilà, c'est bon. Attends, on va voir. Peut-être qu'il y a un ticket à récupérer dans le shop si le jeu veut bien. Oui. Ah, c'est ça. C'est ça. Il y en a deux à récupérer. Donc il faut 20 pièces. 20 pièces. Ok. Bah écoutez, je fais une pause, on se retrouve tout de suite. Bon, on est de retour, ça y est, j'ai fait mon match, on est de retour. Un petit rayon de soleil là, tu vois. Hop. Donc voilà, ça y est, on a eu nos médailles, je ne sais pas quoi. On va prendre les deux tickets. Oui, ma petite Sanae. Voilà, hop. Voilà, vous faites votre match, normalement vous avez assez pour avoir ce qu'il faut. Là j'ai encore 15 pièces, donc je peux prendre ce que je veux. Voilà. Des ballons. Voilà, il va, pour prendre les 5 ballons. Les 5 ballons, donc ça vous coûtera 5. Il y en a 4, donc 20. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Donc nous. Enfin. Bon, après vous faites ce que vous voulez. Hein. Je trouve qu'il y a un pack intéressant ici. Voilà, celui-là. Donc vous avez un pack, 50 centimes, il y en a 3, donc ça fait 1,50€, vous avez 5 Dream Ball, je crois que c'est des Dream Ball payés,
et trois ballons noirs, trois ballons SR noirs. Donc je trouve que c'est plutôt honnête. Plutôt honnête. Donc voilà, pour 1,50€, 15 Dream Ball payés. Voilà, à vous de voir, c'est vous qui voyez. Je vous incite pas. Allez, on va faire les deux multi full SSR qui vont faire plaisir. Apparemment, il y a des Dream Fest. J'ai vu, je crois que c'est mon ami Tritri, je crois. J'ai vu un jeune Tilé recruter. Hop. Alors, où est-ce qu'ils sont les tickets? Ça, c'est la folie, hein. C'est la folie, la folie, la folie. On va faire ça, hein. On va s'en débarrasser. De toute façon, je vise pas spécialement des joueurs là-dedans. Voilà. Le Misaki 2017 qui est toujours là. C'est vrai que ce qui aurait été bien, c'est de changer la musique. Ça fait. Eh hey, les gars, ça fait 3 ans la musique. C'est la même. Ah, mettez une nouvelle musique. Voilà, ils sont là, les tickets. Voilà, les tickets de la mort sont là. Avant de commencer, on va aller très rapidement. Voilà, on va faire un recrutement ami. Parce que je crois qu'il faut faire un recrutement ami pour. Pour l'émission événement. De toute façon, y a rien à espérer un recrutement ami. Voilà. Super, magnifique. Bon, forcément, je vise du new, les gars. Hein. Je vise complètement du new. Voilà, on va faire le ticket première série. Hop. Bon, ça sert à rien parce que je vais être full SSR. Ça, c'est un beau cadeau. Voilà, merci, Club. Quand ils font des choses bien, faut le dire. Donc là, forcément, il n'y a aucun suspense. Heureusement que c'est garanti. Heureusement que c'est garanti. Ah, c'est beau à voir, hein. Enfin, comme ça. C'est beau à voir, hein. C'est beau à voir. Allez, du new que j'ai pas, ce serait bien. Ok. Je l'ai déjà, Yumikura. Parce que ce bordel. J'ai déjà. Hein. Ok. Bon, le pire. Le pire, ne me lâche pas. Hein. Ne me lâche pas. En fait, ce ticket-là, c'est pour vous permettre d'évoluer vos cartes, etc. Ça, c'est à vous de voir. Après, des fois, c'est pas. Attention. Hein. Des fois, c'est mieux de garder la carte pour garder l'aspect, par exemple. L'aspect principal pour la donner à un autre joueur. En fait, c'est à vous de voir. Hein. C'est à vous de voir si vous voulez exploser le potentiel ou pas. Hein. Donc c'est pas une obligation, hein. C'est clairement pas une obligation. Forcément. Forcément. Après, si vous les gardez aussi pour le mixeur, bon, ça sera dans 2 mois normalement là. Là, ça sera dans 2 mois comment ça s'appelle, l'anniversaire Glow. À peu près, hein, s'il commence début. De toute façon, c'est début décembre. Parce que quand la glue est sortie, c'était le 5 décembre. Voilà, hop. On va revenir. Ma box n'a aucun sens. Hein. Je préfère vous le dire. C'est n'importe quoi. C'est vrai que le pire, il est magnifique. Hein. Le pire, clairement, est magnifique. Après, je crois que lui, le Roberto, je crois qu'on peut. C'est combien de Dream Ball jusqu'au palier 5? Où il a 14% d'obtention. J'ai oublié, je crois que c'est 15 ou. 15 Dream Ball payés, je crois, un truc comme ça, ou 20 payés, je crois, j'ai oublié. Allez, fais-moi rêver. Si je peux avoir le Kishida, par exemple, le Schneider Rising Sun, par exemple, aussi, on prend. Ah, là, c'est une animation SSR garantie. Avec une. Voilà, des souvenirs dorés. Voilà. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on va dropper. Benita, je l'ai lui. Non, tire du faucon dynamique. Putain. Eh, c'est incroyable. Hein. Il y a des joueurs que j'ai jamais eu en SSR, quoi. Bon, bah, c'est pas grave, c'est comme ça. Bon, bah, lui, je l'ai en. Bon, on va faire l'explosion du potentiel de Galvan, vu qu'on l'a maintenant. Voilà, on va voir ce que ça donne, on va voir. On va le faire. Rapidement, hop. Bon, maintenant, j'ai compris. Hop.
Galvan, je crois que je l'ai vu. Où est-ce qu'il est? Je l'ai pas évolué en UR? Galvan, je l'ai pas évolué en UR. Attends. 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 Défenseur Amérique latine. Ah, si, il est là. Il est là. Hop. On va voir qu'est-ce qu'il a comme spé principal, parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi, peut-être j'ai envie de garder un tacle ou un truc comme ça. Il a un contrôle de puissance. Ok. Bah écoute, vas-y, on va le faire. Hop. Voilà. Donc là, ça va libérer les deux trucs. Et on passe à 150. Ah d'accord, ok, ça je viens de comprendre. En fait, c'est par 25 le dépassement de limite des capacités. Et pour aller jusqu'à 200, il va falloir les 4 cartes. 4 cartes. Ou 4 idées. Voilà. Hop, explosion du potentiel. D'accord. Et tu montes 3. D'accord. Ah, ça, je viens de comprendre pour le. D'accord. Bah, forcément. Forcément. Ok. En tout cas, j'aime bien l'animation. L'animation, elle est belle. Elle est vraiment belle. Ok, c'est bon. C'est juste un test comme ça. Hein. Voilà. Un test comme ça. Voilà, voilà ce que ça donne quand vous avez eu deux doublons, par exemple. Voilà. Je vais aller rapidement voir le My, je sais pas quoi, le World Legend, je sais même pas si c'est ouf. Déjà, on va voir la ligue. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça donne? Ok, carrément classement. Ah bah vas-y, explique-moi vite fait. Ok. Ah, tu joues. Bon, ça on le sait, ça. D'accord. Tu peux. Ah, d'accord. Donc tu peux choisir. D'accord. Tu peux rejouer trois fois contre le même adversaire. Ça, on connaît. C'est bon, j'ai compris. Ah non, je joue un match. Comment ça se passe? D'accord. Peut-être choisis pardon l'adversaire le plus faible lui par exemple. Ok. Bon ça je vous laisse regarder les gars. Hein. Je vous laisse regarder. Ok. Donc là je suis en Ligue C. Donc voilà le classement c'est le premier c'est ça. Les mecs ils ont pas les mecs ils ont pas chômé. Hein. Mode en ligne. Plutôt amical. Enrouler un adversaire par exemple. On va voir qu'est-ce que c'est. S'il y a de la nouveauté, normalement il y aura de la nouveauté. Non, pas spécialement. C'est peut-être dans les réglages, peut-être. Peut-être c'est dans les réglages. Scénario. Ah, personnalisé. Je viens de voir le petit stade. Ah, elle est là. D'accord, ça c'est bien, ça c'est bien ça. Tu vois, le ballon, ils peuvent le mettre. Bah, le ballon, ils peuvent le changer. Tu vois, il est là. Il est juste là. Tu vois, mon stade. Ah, bah. Eh bah, voilà le ballon! Ah, donc on va pouvoir les changer. Mais du coup, on fait comment pour le. Pour débloquer les autres? Domia. Attends, comment on fait? Attends, comment on débloque les. Alors là, les gars, ce qui vient de se passer est complètement fou. Tout cas, j'aime bien la petite animation avec le ballon qui tourne comme ça. Ça fait. Moi, je trouve ça bien. Non, mais c'est. Non, mais tout bas, ça, c'est devenu un vrai jeu vidéo, quoi. C'est pas. Voilà. La musique. C'est vrai que les musiques, elles sont bien. Ça, faut dire la vérité. Il y a des musiques, elles sont vraiment bien. Le panneau d'affichage. Carrément, on peut choisir le panneau d'affichage. C'est nimp. C'est nimp. Mais par contre, j'aimerais bien comment on fait pour choisir le ballon? C'est par rapport aux événements? C'est les événements, c'est ça, peut-être? Par exemple, s'il y a le Dreamco, bah, on peut jouer avec le Dreamco tout de suite, en fait. Bon, ça, c'est ma personnalisation. Bon, ça, on connaît, hein.
D'accord, ok. Ok. Bon, bah les gars, je crois qu'on va s'arrêter là, hein. Peut-être je vais faire les singles à une dB. Attends, attends. Pardon pour le pet sur le micro. Oh là là, des Dream Ball à... Ah bah oui, j'ai fait exploser je sais pas qui là. Comment il s'appelle notre ami Galvan. 5 Dream Ball. Ok, ça fait plaisir. Ok. Quand tu fais 4 explosions du potentiel, il te donne 2 Dream Ball encore. Niveau 3. Ah d'accord, donc niveau 3, c'est il te faut des triplons. Et niveau 4, c'est il te faut bah, 4 fois la même carte. C'est ça le niveau 4. Niveau 4, c'est le dernier niveau en fait. Ok. Bon les gars, je crois qu'on va s'arrêter là. Voilà, des belles petites surprises qui donnent un petit coup de jeune au jeu. Voilà, donc en espérant que la machine reparte. Et voilà quoi, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ces nouveautés, de cette grosse mise à jour de Captain Tsubasa Dream Team. Moi comme ça à chaud, je trouve ça bien. Donc merci déjà pour le ticket full SSR. Donc on pourra exploser plusieurs joueurs. Après voilà, je sais pas si ça va changer grand-chose dans le jeu. Peut-être ça peut rééquilibrer, peut-être. Faut voir dans le temps comment ça va se. Ça va se. Ça va se. Qu'est-ce que ça va donner, quoi? On verra. Ah bah attendez, attendez, on avait dit qu'on allait faire des singles à une DB. Vu qu'en vidéo, la dernière fois, on a drop. Même si je pense qu'on droppera pas là, faut pas déconner. Ah bah tiens. Je ne vais pas vous mentir que si j'ai le Tsubasa, je prends. Enfin, n'importe qui avec le maillot officiel, je prends. Clairement. Clairement. Bah tu vois ce ballon-là, moi j'aimerais bien l'avoir. Tu vois le ballon, j'aimerais bien l'avoir moi. Plus Tsubasa, c'est la collab Tsubasa Adidas quoi. On va essayer d'avoir le Pierre. Je crois que le Napoléon, je l'ai en doublon. Flèche dorée, confetti. Pas de chance. Attends. Je crois pas. Non. Non. Roberto est venu gâcher la fête. Ok. Roberto est venu gâcher la fête. Non, quand il y a l'équipe Junior Youth au complet, je crois que c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Non, je le fais pas. 120 Dream Ball, c'est bien. Voilà, comme ça, on va le garder. Je vais pas vous mentir que peut-être en off le Dream Collection, peut-être. Voilà, peut-être. Voilà. Bon, allez les gars, je vous laisse. Portez-vous bien et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo Captain Tsubasa Dream Team. Faites attention à vos Dream Ball, faites attention à vous et j'espère que vous allez dropper ce que vous voulez. On se retrouve pour une prochaine vidéo.